pas mal de tomber sur les pilates. Non mais moi, ça m'est juste marrant, hein. C'est bon, hein. Bon, on va pas pour... Non, on va faire la photo, là. Ah oui, on a droit à une belle photo. Là, c'est bon. Alors... Bon, Fabrice Coula, le rouge est mis. Voilà, le rouge est mis, là, on est tranquille, là. Alors, super bien le cheval. Oh, j'avais dit à Franck, tu vas devant, tu laisses pas trop passer. Oh, là, quand je l'ai vu troisième rideau à la corde comme ça, j'ai dit oh là 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 là. Et puis il est tout bon pour faire 150 mètres comme ça. Impressionnant. Parce que c'est un cheval qui est assez froid comme ça. Donc quand je l'ai vu là, j'ai dit bon, on va avoir du mal à revenir. Mais bon, il a une accélération. C'est un crack, quoi. Dans le dernier tournant, sans déconner, t'es comment t'as la rage? Fou. Troisième rideau à la corde dans une course à 9 partants, tu te dis, oh putain, quel scénario de... Mais bon, voilà, comme quoi dans les courses, il faut de la chance. Hein. Quand t'as de la chance et quand ça veut bien s'ouvrir, bah, tu vois, tout va bien. Et il doit y avoir une double satisfaction parce que Global Manhattan refait une super valeur. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, j'étais confiant sur Global parce que c'est vrai que 2-3 fois dans le Bénozien, il n'aurait pas gagné, mais il aurait été second sûr. Il est archi malheureux dans le Bénozère. Et la fois d'après, pareil, re-malheureux. Donc, je comptais avec Global. Pour moi, j'étais confiant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il n'était pas déféré aujourd'hui à McGarry-Pay? Bah, il a des mauvais pieds. Hein. Il y a un mois et demi, il n'avait plus de pieds. On a été obligé de le résiner avec des bandes et tout. C'était une catastrophe. Donc, je ne peux pas me permettre de le déférer. Hein. Je suis obligé de garder les fers. Mais bon, même ferré, il va bien. On a de la marge, peut-être qu'un jour, si on est un peu manque de marge, on défera. Mais bon, il est bien, c'est un cheval qui est bien avec les fers, donc il est pas plus mal avec les fers. Merci Paris. Franck, tu t'es senti obligé de mettre un petit peu de piment dans la victoire d'un mec des replays? Ouais, bah maintenant c'est plus facile, c'est vrai que ça a donné du frisson, mais bon, les courses, il faut un peu de frisson. Non, non, mais bon, je voulais pas faire non plus une course dure, moi je suis en remplacement de Franck. C'est un cheval franc, c'est un crack, hein, c'est un cheval de prix d'Amérique. Je suis pas là pour le fusiller, donc je pense que si j'aurais fait un relais avec Eric, je voulais ressortir, mais après, j'en aurais fait beaucoup des relais, donc bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu te dis à mi-ligne droite? C'est mort ou tu y crois jusqu'au bout? Non, il faut toujours y croire, hein. Je guettais l'ouverture. Je savais qu'en dehors c'était pas possible, donc ça s'est fait vraiment à 100 mètres. Bon, c'est là que c'est vraiment un phénomène parce qu'il s'est allongé de lui-même et je lui ai rien demandé, j'ai même pas baissé les yeux. Non, c'est un vrai crack. T'as monté, t'as drivé de très bons chevaux, celui-là, tu le situes où? C'est vraiment un lauréat potentiel de prix d'Amérique ou pas? Je pense, parce qu'il y a tout pour faire un potentiel de prix d'Amérique, il est brave, il vole n'importe où, il tire pas, il attend juste le commandement. Pour le prix d'Amérique où il y a 3-4 faux départs, il faut rentrer, ressortir, c'est vraiment un cheval à faire ça. Et puis il peut aller devant, il peut aller derrière, il n'y a besoin de personne. Je pense que Fabrice va l'amener au top pour cet hiver et je pense qu'il faudra compter sur lui. Eh, fini avec du gaz? Aïe. J'ai dans le dos un mec des replays, il va rester bloqué dans le dos à Jean-Mi, il va tenir sa corde. Et puis tu vois, je pensais que j'allais pouvoir ressortir après toi et si les chevaux collés sur moi. Sébastien, Roxane, je suppose qu'il y a des motifs de satisfaction. Oh, super, elle fait une belle rentrée. Elle a très bien parti déjà, c'est bien, ça a attelé. Et puis elle a eu le bon parcours quand même, il faut dire ce qui est. Et puis elle est battue par un super cheval qui a eu la bonne course, mais qui a fait 100 derniers mètres peu commun. Quoi. Il a fait un peu de gérer terrible ce cheval-là. Ouais, ça a été une course tactique et c'est vrai qu'Eric Raffin a bien joué le coup quand même. Ouais, voilà, il a bien joué le coup. Après, il a laissé passer Jean-Mi. Dernier kilomètre 10, il n'a pas fait d'effort. Il a eu le jour au bon moment, donc voilà, il n'y a rien à dire. Autre motif de satisfaction, pardon, Rêve qui n'a pas le passage pour finir. Pas le passage, à mon avis, s'il a le passage, il aurait peut-être à la lutte avec Roxane. Donc même Mathieu m'a dit, s'il a le bon passage au bon moment que Amélie Terry pas le passage, peut-être qu'il aurait peut-être même gagné, m'a dit. Donc voilà, faut voir. Est-ce qu'on peut te demander des nouvelles également de Rapide Lebel? Est-ce qu'il a quitté ton établissement ou oui, il reste chez toi? Rapide, il a quitté l'établissement le lendemain de la course. Il a été chez Eugénie Quintin, en repos pendant un mois. Et ensuite, il va aller, je sais pas, ils vont le mettre en retraite. Ils vont réfléchir à ça.